Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier live de la journée du mercredi. On a un gros gros programme aujourd'hui. En commençant par ce live, on va parler spécifiquement du mental sur et en dehors du parcours. Ensuite, tout à l'heure, à 14h, il y aura Guillaume Biojo. Et puis à 16h30, je serai à nouveau en live, mais avec Instagram cette fois-ci, avec Alexander Levy. Donc on parlera aussi un petit peu de mental avec Alexander, notamment sa routine de jeu. Donc 16h30, Instagram. Et ensuite à 17h, ce sera retour sur Facebook avec Rémi Bédu. Et donc, juste avant de démarrer ce live, la première chose que je voudrais faire, c'est déjà vous passer tous un petit coucou. Et puis de vous dire si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit bonjour si vous me voyez correctement, si vous m'entendez correctement, est-ce que vous pouvez juste me mettre un petit coucou dans la zone de commentaires ou un petit bonjour. Je vois qu'il y a Yannick Colombier qui est là qui dit bonjour. Patrick Talon qui dit bonjour à tous. Bonjour ami golfeur, Bruno, Jérôme, Chipolane qui dit ah je me faisais du souci, bonjour à tous. Salut Jérôme. Et donc juste avant d'entamer ce live, important de vous parler d'un événement qu'on organise demain soir en collaboration avec tous les acteurs importants du golf français. Il y a la Fédération française de golf, il y a Golf Plus, Journal du Golf, voilà donc l'équipe évidemment.fr, donc les gros médias du golf français spécialisés dans le golf se réunissent pour organiser un super événement demain soir de 17h à 21h avec Romain Béchu qui a l'initiative de tout ça avec une application qui s'appelle Globetrotter. Et donc du coup demain pendant 4 heures de 17h à 21h, Romain Béchu va jongler pendant 4 heures. Oui, Rémi Béchu va jongler pendant 4 heures et il y aura plein d'invités de tous les acteurs du monde du golf. Donc il y aura Golf Plus qui seront là, la Fédération qui seront là, il y aura les journalistes du Journal du Golf qui seront là, donc le soir de 20h à 21h. Donc voilà, il y aura plein de bonnes choses et tout ça évidemment, on fait ça en fait parce que ça va vers une bonne cause, ça va vers les hôpitaux de Paris qu'on soutient donc à travers toute cette période assez compliquée qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est difficile pour beaucoup de monde et donc du coup on a décidé de tous se réunir à l'initiative de Romain Béchu pour organiser cet événement et puis récolter des fonds pour aider les hôpitaux de Paris. Donc si vous êtes disponible demain soir, 17h, 21h, venez. Si vous pouvez venir 4h, au top. Si vous pouvez pas, juste vous pouvez venir à tout moment dans le live entre 17h et 21h. Il y aura plein de choses qu'on va organiser. Donc ça va vraiment, vraiment être top. Et je remettrai à l'affiche à la fin du live pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Donc voilà, donc c'est important d'en parler. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes de connectées pour le thème d'aujourd'hui, le mental au golf, quelque chose qui est tellement, tellement important. Mais souvent, le mental, on ne sait pas vraiment comment le travailler, on ne sait pas vraiment quoi faire. C'est quelque chose d'assez invisible pour beaucoup de personnes, contrairement à la technique du swing, où c'est quelque chose de plus visuel dans le sens où on peut filmer son swing et voir nos progrès assez rapidement. Finalement, un changement de technique, on peut le voir en l'espace de 5 minutes. Si on travaille avec un coach, même si les résultats sur la durée prennent évidemment plus de temps, mais c'est quelque chose de physique. Quand je filme le swing d'un élève au début d'un cours et à la fin, et je montre la différence dans ce qu'on est en train de travailler, spécifiquement dans la mécanique du swing, dans la technique, quand tu montres le joueur au début et à la fin de la séance, le joueur voit la différence. Donc le joueur peut constater, ah oui, effectivement, avant j'étais là, et puis maintenant quand je fais ça, je suis dans telle position, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'on le voit visuellement, d'accord ? Donc c'est plus, le swing est beaucoup plus parlant que le mental, parce que le mental la raison pour laquelle j'utilise le mot invisible, c'est parce que en fait vous n'allez pas forcément récolter les fruits du travail d'un mental tout de suite. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, tu vois, comment on travaille le mental finalement. C'est quelque chose d'assez flou dans le sens où quand je suis sur un parcours, ben quoi, je dois essayer de me concentrer sur le parcours de golf. C'est ça en fait le mental, ou est-ce que le mental c'est essayer de bloquer les émotions? Quand j'ai une émotion négative, j'essaie de penser positive. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Il y a des choses qu'on doit utiliser, des exercices qu'on peut employer pour nous permettre en fait de optimiser au mieux. Et moi en fait le mental, je le vois vraiment comme un outil, comme le swing. Je pense que le mental, ça se travaille comme un swing. Et je pense qu'il y a des exercices de pratique qu'on peut effectuer quotidiennement pour nous permettre de l'améliorer comme un swing de golf. D'accord ? Et donc, moi, je suis pragmatique dans ce sens-là parce que je suis coach. Et donc, pour moi, j'aime bien toujours donner des stratégies. Donc, le mental, je ne le vois pas comme quelque chose de fort, ou est-ce que quelqu'un a un mental fort ou est-ce que quelqu'un a un mental faible. Je pense simplement à ce qu'une personne utilise les bonnes stratégies mentales ou pas. Et en fait, ces stratégies que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement, vous allez ensuite développer vos habiletés, vos capacités pour vous permettre
d'améliorer votre jeu tout simplement et d'être un meilleur joueur de golf. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager plusieurs choses avec vous. La première chose, c'est qu'on va parler de comment rester dans le fameux moment présent. Vous savez, c'est le moment où on en parle souvent, les pros en parlent souvent, c'est important de rester dans le moment présent. Alors c'est facile à dire, pas facile à faire. Donc c'est une chose pareille. La capacité de rester dans le moment présent, c'est quelque chose qui se travaille comme un swing de golf. Ce qui est sûr, c'est que plus vous allez avoir la capacité de rester dans le moment présent, et donc il y a deux sortes de présents. Il y a le présent qui va vous servir et le présent qui ne va pas vous servir. Okay? Donc il y a aussi deux formes de présents. Je vous expliquerai la différence entre les deux dans quelques instants. Ensuite, on parlera de la stratégie que Louis Oosthuizen, que j'ai eu l'occasion d'interviewer hier sur Facebook aussi. Donc Louis Oosthuizen, il a gagné 9 fois sur le Tour européen. Il a gagné le British Open, considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, considéré comme un des plus beaux swings au monde. Et ben, figurez-vous que lorsqu'il a gagné le British Open, il était en galère totale. Les 2 semaines avant, il faut savoir que il a loupé 2 cuts d'affilée avant de gagner le British Open. Il a loupé l'Open de France et il a loupé le Scottish Open. 2 cuts d'affilée, et ensuite il gagne le British Open en sachant qu'il n'avait jamais passé un cut dans un majeur auparavant. Donc je vais partager avec vous exactement ce que Louis a travaillé pour lui permettre de gagner ce British Open sur le plan mental. D'accord? Parce que son swing n'a pas changé d'une semaine à l'autre. En 3 semaines, son swing n'a pas changé de l'Open de France où il a loupé le cut au British Open 2 semaines plus tard où il gagne l'Open. D'accord? Son swing n'a pas changé, mais il a employé une stratégie mentale qui lui a permis de gagner. Et ensuite, je partage avec vous les 6, ce que j'appelle les time zones, donc en anglais, donc les six temps sur lesquels un cerveau est présent à un moment ou à un autre, que vous soyez sur le parcours ou en dehors. Il y a un moment où votre cerveau est sur ces 6 time zones, votre cerveau sera dans une des 6. Okay? Donc, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qu'elles sont, si elles vous servent ou si elles vous desservent. Et puis comment revenir dans celle qui va vous permettre de jouer votre meilleur golf. OK? Alors, pas mal de personnes de connectées. On voit qu'il y a un peu plus d'une centaine de personnes. Yannick qui dit avoir la pensée positive, ne pas penser à rater, sinon on rate. Ouais, alors, ça va un peu plus loin que ça, Yannick, mais bon, bon commentaire. Josie qui dit bonjour. Marion qui est là. Voilà, Dominique Judelin qui dit capital, mais dur à mettre en place. Et complètement d'accord, Dominique, et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Anne-Marie qui est toujours là, qui dit bonjour Lewis. Benoît qui dit merci pour votre professionnalisme. Merci beaucoup, Bruno, pardon, Bruno pour ton commentaire. Christian qui dit bonjour à tous. Cool, donc vous êtes pas mal de personnes qui sont déjà là. Philippe Guillaume qui dit bonjour Lewis. Eric qui est là, qui dit bonjour Lewis aussi. Parfait, vous êtes tous là. Ok, parfait. Alors, la chose que je voudrais dire aussi, pendant que vous êtes connecté, c'est que surtout, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires pour vous permettre de poser des questions. Si vous avez des questions aujourd'hui, parce que je sais que sur le mental, on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure dans le live à travers la programmation que je vous ai proposée. Donc, la première chose, c'est qu'on va parler un petit peu de comment revenir dans le moment présent. Sur un parcours de golf, notre cerveau en fait va naviguer dans plusieurs endroits. Il va naviguer entre le passé, entre l'avenir qui n'existe pas, entre le passé qu'on peut plus changer, et il va avoir beaucoup de difficultés à revenir dans le moment présent. C'est tout à fait normal. À travers une journée, nous avons plus de 60 000 pensées par jour. Okay, vous avez sûrement dû entendre que nous avons plusieurs milliers de pensées par jour. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau va très facilement naviguer entre le futur et le passé. D'accord? C'est un peu comme comment on appelle ça en français, a time machine. Vous savez, une machine à remonter le temps. Donc, on navigue très rapidement entre le passé et l'avenir et on change d'une façon à l'autre. Le cerveau peut très facilement, si maintenant je vous dis de penser à ce que vous allez manger tout à l'heure, votre cerveau va tout de suite se projeter dans l'avenir. Si je vous demande de penser à ce que vous avez mangé hier soir, boum, votre cerveau va revenir à ce que vous avez mangé hier soir très facilement à un clin d'œil. Par contre, la chose qui a beaucoup de difficultés à remonter ou à avancer le temps, c'est votre corps. Votre corps, en fait, il est toujours dans le moment présent. Donc, c'est déjà important de différencier votre corps et votre cerveau et comment on peut utiliser le corps pour revenir dans le moment présent.
Donc, quand vous êtes sur un parcours de golf et que vous voyez que votre cerveau navigue entre le passé et le futur, la chose sur laquelle vous pouvez vous focaliser, c'est votre corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut se concentrer sur le corps? La respiration, compter le nombre de respirations, le nombre de breaths. Non, je sais pas, des fois je parle breaths. De respiration. Nombre de respirations, voilà. Je ne sais pas pourquoi ce matin, le cerveau est en mode anglais. Je suis anglo-saxon, donc mon cerveau a décidé d'être anglais ce matin. Bref. Donc, vous pouvez compter le nombre de respirations. Donc, un très très bon exercice qu'une athlète a utilisé pour gagner le marathon à Londres. Quand elle sentait qu'elle était en difficulté et qu'elle était en train de penser à la ligne d'arrivée alors qu'elle n'était même pas à mi-chemin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a compté sans respiration. Et puis elle s'est dit, est-ce que je suis capable de compter sur les 100 prochaines respirations et puis à chaque fois qu'elle faisait 100, elle recomptait 100, elle recomptait 100, elle recomptait 100. C'était un moment pour elle pour revenir à travers les sens et être présent à travers son corps. Donc sur le parcours de golf, quand vous voyez que vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur, la première chose que vous pouvez faire, c'est simplement faire un exercice de respiration et de compter, de définir un nombre de respirations que vous allez faire. Donc par exemple, ça peut être 10, 20, 30, 40, 50, peu importe le chiffre que vous choisissez. Entraînez-vous à choisir le nombre qui vous convient. Et à partir de là, quand vous marchez sur le fairway entre les coups, parce que c'est souvent à ce moment-là où on a tendance à se projeter dans un avenir ou repenser à ce qui s'est passé avant. Donc entre les coups, amusez-vous à compter le nombre de respirations que vous faites, établissez un objectif, donc je vais partir sur le principe de 50, et là vous dites ok, je vais compter 50 respirations, et là vous allez voir que petit à petit ce qui va se passer, c'est que votre corps, votre cerveau va avoir beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir et à aller dans le passé quand vous êtes concentré sur votre respiration et donc sur votre aspect physiologique. Donc ça c'est déjà un exercice que vous pouvez utiliser sur le parcours, pour vous permettre de revenir dans le moment présent. Un autre exercice, c'est compter le nombre de pas que vous faites. Donc quand vous voyez que vous venez de taper un coup de golf, entre le coup de golf que vous venez d'effectuer et votre prochain coup, vous pouvez vous dire, OK, je vais juste me concentrer sur mes pas, et je vais compter le nombre de pas que je suis en train d'effectuer pour arriver à ma prochaine balle. Et je vous garantis qu'en faisant ça, puisque vous êtes focalisé sur votre aspect physiologique, sur le nombre de pas que vous comptez, donc vous êtes concentré aussi sur vos sens, vous allez vous concentrer sur la sensation de vos pieds quand ils sont en train de marcher. Votre cerveau, du coup, il aura plus la possibilité, vous allez plus lui donner l'opportunité d'aller dans le futur ou de retourner dans le passé, parce que vous êtes focalisé sur l'aspect physiologique, qui est la seule chose qui vous ramènera dans le moment présent. D'accord? Donc, je dirais la seule chose. Il y a plusieurs choses, mais la chose la plus concrète que vous pouvez faire sur le parcours, c'est ça. Vous concentrez sur l'aspect physiologique. Donc, je viens de vous donner deux très très bonnes astuces. Un, se concentrer sur la respiration, compter le nombre de respirations que vous faites, déterminer un objectif, je vais compter jusqu'à 50. Et ensuite, si la respiration c'est quelque chose que vous n'aimez pas, il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui aiment moins, concentrez-vous sur le nombre de pas que vous effectuez et concentrez-vous sur le rythme aussi. C'est-à-dire pendant que vous êtes en train de marcher, est-ce que vous marchez trop vite, trop lent? Tout le monde à sa façon, à son rythme naturel de marcher, mais comptez le nombre de pas. Et je vous garantis que ça va vous aider à revenir dans le moment présent. Et le moment présent, c'est ça. C'est ça. C'est uniquement être présent à travers vos sens. C'est pas une sorte de concentration extrême où je dois essayer d'être concentré dans le moment présent. Au contraire, c'est une sorte de un attachement à l'aspect physiologique. Et donc, c'est ça qui est très, très important. Okay? Donc, voilà une petite. Déjà, pour parler de comment revenir dans le moment présent, voilà comment vous faites. Évidemment, vous comprenez pourquoi il faut rester dans le moment présent. D'accord? Parce que le meilleur coup que vous puissiez faire, c'est quand vous êtes complètement présent à travers vos sens. D'accord? C'est vraiment la meilleure façon où vous pouvez performer dans un coup de golf. Si vous pensez à ce qui s'est passé avant, vous vous contrôlez sur les éléments que vous ne pouvez plus contrôler ou les éléments que vous ne pouvez pas encore contrôler parce que vous n'êtes pas encore dans l'avenir qui approche. Donc, la seule chose que vous pouvez contrôler à 100%, c'est ce qui se passe maintenant, dans le présent, et le présent, vous pouvez le maîtriser à travers la présence physiologique et les deux exercices que je vous ai indiqués. Okay? Dites-moi si ça vous parle dans la zone de commentaires. Déjà, les deux exercices. Dites-moi si vous préférez la respiration ou concentrer sur les pieds, sur la marche ou sur le rythme. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle déjà dans la zone de commentaires. Alors, Dominique Julien qui dit il faut tromper le cerveau. Alors, j'utiliserai pas forcément tromper, juste comprendre comment il fonctionne et comprendre comment
le placer dans un état optimal pour l'objectif qu'on a sur un parcours de golf. Là, je parle spécifiquement de réaliser votre meilleur golf. Donc, on parle de ça, mais évidemment, on peut l'utiliser aussi dans le système de tous les jours pour les entrepreneurs, etc. Mais là, en tout cas, j'aime pas utiliser tromper le cerveau. J'aime plutôt travailler en synchronisation avec le cerveau et de comprendre où l'orienter et à quel moment. C'est plutôt comme ça que j'aime voir le cerveau. Parce que, tu sais, essayer de tromper le cerveau, il y a un moment, le cerveau, il va revenir vers toi et puis il va te la mettre à l'envers. Donc, t'inquiète pas qu'il Alors, je lis un peu les commentaires. Keith Marriott qui est là, qui dit Hello, Esra, Keith, hope you're well. Eric, bonjour Lewis. Ok, pas mal. Tout à fait d'accord avec toi, Lewis. Donc, Eric Granger qui dit Tout à fait d'accord avec toi, Lewis. Merci beaucoup, Eric. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une vidéo avec Carl Morris, qui est le préparateur mental de Louis Oosthuizen, Darren Clark, Lee Westwood. Notamment, voilà, c'est des joueurs qui ont gagné, qui ont accumulé 6 majeurs sous son aile. Et donc la vidéo, je veux juste vous prévenir que cette vidéo, elle dure 2 minutes 30. Cette vidéo est en anglais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur pause à certains moments et puis je vais traduire la vidéo au fur et à mesure, ok? Elle est vraiment très très courte. Je sais que pour certains d'entre vous qui comprennent pas l'anglais, c'est pas facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la vidéo, je vais m'arrêter toutes les 30 secondes. Je vais traduire, la vidéo dure 2 minutes 30 et ensuite on reviendra sur les six différentes zones où votre cerveau se trouve à tout moment dans une journée. Elisabeth qui est là, qui dit bonjour Lewis, bonjour Elisabeth, j'espère que tu vas bien. Yannick qui dit si j'ai bien compris, il faut l'occuper pour oublier. Alors j'aime bien le terme occuper, ça j'aime bien ce terme-là Yannick pour revenir dans le présent. Occuper le cerveau, ou en tout cas occuper le cerveau d'une façon différente pour nous permettre d'être présents à travers nos sens et de ne pas lui permettre ou de ne pas lui donner l'opportunité d'aller dans le futur ou le passé. Donc j'aime bien ce terme-là et c'est une façon effectivement des exercices, des stratégies qu'on peut utiliser pour nous permettre de revenir dans le maintenant. Ok, top. Donc alors je viens de réaliser que je ne l'ai pas mis, donc soyez juste. Tac. Parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais Great golf swing. Voilà, donc je vais vous jouer la vidéo de Carl Morris. Donc, je le répète pour ceux qui viennent se connecter. Carl Morris est le préparateur mental de Louis Oosthuizen au moment, je remets les choses dans son contexte. Louis Oosthuizen passe par 2 semaines très compliquées juste avant le British Open. Il loupe le cut à l'Open de France. Il loupe le cut au Scottish Open, qui est le tournoi juste avant le British Open. Et là, la semaine d'après, il gagne le British Open en sachant qu'il n'avait jamais passé le cut auparavant dans un tournoi majeur. Et il gagne le British Open suite au travail qu'il a effectué avec la personne que vous allez écouter. Je le rappelle pour les personnes qui viennent de se connecter aussi, la vidéo va durer 2 minutes 30. Elle est en anglais. Je vais couper toutes les 30 secondes pour faire une mini traduction et ensuite on reviendra. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo en anglais, mais elle ne dure pas très très longtemps. Player, so let's put that out there straight away. We're talking about a Ferrari here, so but his manager at the time, Chubby Chandler, got in touch with me and he said, I want you to do some work with Lou. We met up, it was a few weeks before the Open, and he said, I'm really having problems concentrating on the shot. He said, I've hit a lot of shots. He just played in the US Open, he played well, but kind of threw a few shots away. He said, I'm having problems. I'll hit a shot and then think I just wasn't there. I just wasn't in the shot. Donc là, quand Carl Morris rencontre Louis Oosthuizen à travers l'agent de Louis à l'époque, qui s'appelait Chubby Chandler, qui est un des plus grands agents au monde, Carl Morris travaillait aussi beaucoup avec Chubby Chandler, et c'est là où il y a eu cette relation de travail avec Darren Clark aussi. Et donc en fait, Louis Oosthuizen a rencontré Carl Morris, et Carl Morris lui demande, ben voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le parcours? Et Louis Oosthuizen lui a dit, écoute, j'ai du mal à me concentrer
Et j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'il faut que je me concentre, quand est-ce qu'il faut que je me relâche. Donc on parle d'un joueur qui évoluait sur le PSG à Tours à ce moment-là et sur l'European Tour. Et il dit à Karl, écoute, quand je suis devant la balle, je tape la balle, mais je suis pas vraiment dans le coup, je sais pas trop comment faire, je sais pas à quel moment il faut que je me concentre. Mon cerveau est un peu dans tous les sens, d'accord? Donc il avait du mal à structurer sur le parcours le moment où il devait être en focus et le moment où il devait en quelque sorte se relâcher entre les coups. Il avait du mal à déterminer les deux et à l'organiser. And I said to him, I said, well, okay. I said, well, what are you doing in between shots? He said, oh, he said, I'm concentrating in between Voilà, shots. donc là il est en train de dire So je I kind of like the concentre entre les conversation coups. that we have. And in a long story short, we talked about, I said, well, okay, if you wanted to have a certain state of mind over the shot, what would it be? And I think the word he used was focused. And I said to him, okay, well, if focus had a color, what would it be? And he looked at me as though it was the strangest question ever. And I said, go on. And he said, I don't know, red, I suppose. I love that. Donc là, Karl lui dit, dans quel état est-ce que tu souhaiterais être quand tu es juste devant la balle? Et il dit, ben, Louis Oosthuizen répond, ben, je voudrais bien être concentré, focused. Je voudrais bien être focused à 100%. Et il dit, ok, d'accord. Et dans quel état tu es entre les coups? Et il dit, ben, je suis focused, concentré. Donc c'est très difficile d'être concentré entre les coups et en même temps juste devant le coup. C'est deux états de concentration qui sont complètement différentes. Et donc, Karl lui dit, ok, donc si tu as envie d'être focus et concentré devant la balle quand tu adresses la balle, et donc dans ta routine, s'il y avait une couleur que tu peux mettre sur le mot focus, sur le mot focus, qu'est-ce que concentration? Quelle couleur est-ce que ça serait? Et là, Louis lui regarde un peu bizarrement et lui dit, ben, j'en sais rien, je sais pas, j'avais jamais pensé à ça, ben, je dirais rouge. Voilà, je mettrais la couleur rouge sur le mot focus et concentration. Et la Give it suite. a color. Love it. Yeah, give it a color. Give it meaning. Give it meaning. And he said, and this was one of the weird serendipitous moments. And he said, so what you're saying is that maybe if there was, and he looked at his hand, maybe if there was a dot or something on my glove, I could look at that and that would remind me to focus on the shot. He put. Donc là, Louis lui dit, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que peut-être si j'avais cette couleur qui était devant mes yeux au moment où je tape la balle, ou au moment où je suis en train de préparer ma routine, peut-être que ça pourrait m'aider à comprendre à quel moment il faudrait que je sois dans un état de concentration et de focus. Et donc là, ils déterminent tous les deux une stratégie de mettre un point rouge sur le gant de Louis Oosthuizen et de mettre un point rouge qui lui en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois où Louis commençait sa routine et qu'il commençait à parler de stratégie, de coups avec son caddie, ben là, il mettait son gant et là, il voyait le point rouge. Et c'est en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais un trigger. Un trigger, c'est le feu vert, d'accord, qui détermine un nouveau départ. Et donc, le feu vert pour Louis, c'était de mettre le gant, de regarder le point rouge et de dire, OK, maintenant je me concentre sur ce que je dois faire pour le coup qui est présenté devant moi. Et dès qu'il enlevait le gant, c'était un feu rouge pour lui déterminer, OK, stop, maintenant tu t'arrêtes, la concentration est terminée et maintenant c'est là où il faut se détacher un tout petit peu du coup que tu viens d'effectuer et du prochain coup, et de pouvoir rester dans le moment présent à travers une conversation avec ton caddie, à travers le contrôle de ta respiration, ou la maîtrise de ta respiration, la maîtrise de ta physiologie. Mais à chaque fois qu'il remettait le gant, point rouge sur le gant, c'était le moment où il fallait se concentrer. Red dot on the glove, and we talked about okay. When you get to the shot, you actually look at the dot on your glove, and that's a signal to focus on this moment and produce this shot. Once you've done that, and the glove comes off, and we talked, and his caddy at the time, a great lad called Zach, we talked about having fun in between shots and chatting about all kinds of different things and switching off. So his whole goal. Donc il disait qu'il avait communiqué en même temps, donc Karl Morris, le préparateur mental, communique en même temps avec le caddie de Louis Oosthuizen pour déterminer des stratégies de relaxation aussi entre les coups. Donc ça peut être de l'amusement, ça peut être des blagues, dépendant de la personnalité de la personne. Mais à chaque fois que le gant revenait sur la main et que Louis voyait le point rouge, c'était le moment où il était vraiment focus sur le coup à He jouer. started doing it at the Scottish Open the week before the British, and he missed the cut. But he said afterwards, he said, "I started to feel better." He said, "I started to really get into some shots." So he goes to St Andrews, and I think he. Donc la semaine d'avant, il faisait déjà l'exercice. Donc c'est pas quelque chose qu'il a tout d'un coup fait la semaine du British Open. Il avait fait la semaine avant au Scottish. Il a démarré une semaine avant, mais il a quand même loupé le cut la semaine d'avant en faisant cet exercice-là. Mais la différence, c'est que avec les autres semaines, c'est qu'il a dit à son préparateur mental, il dit, tu sais, j'ai loupé le cut, mais je me suis senti beaucoup mieux devant la balle.
Donc je vais continuer à faire ça et je suis sûr que ça va payer. I don't know, 64 or 65 in the first round. And I remember there was a couple of the Sky commentators, I think it was Sky, a couple of the experts said, oh, there's no way this guy can hang on for 4 days. He's not got enough experience because he'd never made a cut in a major prior to that. And anyway, the goal for the week was just to look at the dot on every shot, play the shot, and then switch off in between. Anyway, you know, it was one of those nice moments where a lot of things came together. He was a great player anyway. But the actual glove that he wore... Voilà, le gant. That's the actual glove, right? That's the actual glove. He signed it for me. There was the glove and the signature that he used at St. Andrews. Voilà, donc ça, c'était le gant avec le point rouge. C'est le gant que Louis a utilisé lors du tournoi du British Open. Il a ensuite signé en remerciant Carl, évidemment, pour le travail qu'ils avaient effectué ensemble. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on passe de 2 semaines à l'Open de France et le Scottish où on loupe le cut et qu'on n'a jamais passé un cut en majeur et on gagne un British Open... vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a pas eu de changement mécanique entre les deux à 3 semaines, et ça a été vraiment une stratégie mentale qui lui a permis, puisque là on parle de stratégie, hein, mettre un point rouge sur un gant, c'est une stratégie, c'est un exercice qu'on utilise pour nous permettre à comprendre comment on peut orienter le cerveau dans le bon sens et à quel moment surtout, donc de comprendre la différence entre quand vous êtes devant le coup et entre les coups. Et la raison pour laquelle je parle de ça aussi, c'est parce que je pense que nous avons tous fait l'erreur à un moment ou à un autre dans notre carrière d'amateur ou de pro, à être concentré tout le temps, ouais, en tout cas à essayer d'être concentré tout le temps. Moi, je sais que quand j'étais amateur et que je regardais les pros de golf à la télé, j'avais l'impression que les pros étaient tout le temps concentrés, tout le temps, surtout Tiger Woods, qui avait, à l'époque où je le regardais jouer quand j'avais 12, 13, 14 ans, Tiger souriait jamais sur un parcours de golf, ou en tout cas, quand les caméras le filmaient, il souriait jamais. On avait toujours l'impression qu'il était complètement focus. Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'employer cette stratégie d'être concentré à tout moment sur un parcours de golf, et ça m'a desservi énormément. Je me retrouvais à souvent bien jouer sur les 12-13 premiers trous et ensuite lâcher prise un tout petit peu, et lâcher prise dans le mauvais sens. Et la raison pour laquelle ça arrivait, c'est parce que j'étais complètement mort physiquement, j'avais plus d'énergie. Et la raison pour laquelle j'avais plus d'énergie, c'est parce que j'avais tellement utilisé de concentration mentale que le corps, par la suite, ne suivait plus. Au bout de 2 heures, 2 heures et demie, mon corps était complètement rincé. Donc, peu importe ce que je faisais sur le retour, le mental et le corps fonctionnaient plus. Et ça, c'est parce que j'arrivais pas à déterminer la différence entre le moment où il faut se relâcher un tout petit peu et le moment où il faut réellement se concentrer. Quand vous pensez au nombre de coups de golf que vous effectuez sur un parcours, si on part du principe que vous êtes 10 d'handicap et que donc du coup vous faites 82 coups en moyenne, ça veut dire que réellement sur un parcours de golf, vous avez 82 coups de golf où vous avez besoin d'être réellement focus sur ce que vous devez faire. Entre les coups, vous devez avoir la capacité de pouvoir vous relâcher et également de pouvoir revenir dans le moment présent quand vous voyez que vous êtes trop dans un passé qui ne peut plus changer ou dans un avenir qui n'existe pas encore. Donc, voilà les deux choses entre les coups qui sont pour moi en tant que coach important et les choses que sur lesquelles je mets une priorité avec mes joueurs sur le parcours. Entre les coups, avoir la capacité de pouvoir se relâcher à travers des exercices que je peux vous proposer aussi et des entraînements ou des exercices plutôt qui vous permettent de revenir dans le moment maintenant. Alors, question de la part de Pierre-Yves Burton qui dit « Peut-on déterminer pourquoi, si l'exercice fonctionne pour ce British, pourquoi alors après les résultats ne sont plus aussi brillants ? Pourquoi Louis, probablement un des 5 meilleurs swings au monde, n'a plus gagné de majeur ?» Alors, déjà, il faut le rappeler que Louis a failli gagner 2 autres majeurs après ce tournoi-là. Donc, il est arrivé 2e au Masters. Je sais pas si vous en souvenez, mais je crois que c'est le seul joueur dans l'histoire du Masters qui a effectué 2 eagles. De suite, je crois. Vous savez où il rentre ce fameux shot de 250 mètres ou je sais plus sur le par 4 ou par 5. Enfin, bah, c'était il y a longtemps, mais en tout cas, Louis à ce moment-là au Masters finit deuxième après un playoff. Il finit deuxième dans un British, donc il fait quand même 2 podiums par la suite. Et donc, du coup, en même temps, je suis désolé, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Mais du coup, Pierre-Yves, pour répondre à ta question, c'est que déjà, gagner un majeur, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et de dire à un joueur, bah voilà, pourquoi t'as pas gagné par la suite?
il y a vraiment tous les éléments qui viennent en compte. C'est pour ça que il n'y a pas juste le mental, il n'y a pas juste la technique, il n'y a pas juste le physique. C'est en fait, dans une semaine où on gagne un tournoi, c'est souvent que le joueur a réussi à mettre en application toutes les choses qui sont reliées à la performance. Donc, la stratégie de jeu, le mental, la technique, le physique, le joueur se sent bien physiquement, il est bien mentalement, il se sent bien techniquement et il a une bonne stratégie de jeu. En général, sur une semaine de tournoi, pour regrouper ces quatre choses-là sur la même semaine, c'est déjà énorme. Et souvent, celui qui gagne le tournoi à la fin, c'est celui qui a réussi à optimiser au mieux ces quatre choses-là. Et c'est ce que les joueurs cherchent à faire aujourd'hui quand vous voyez les joueurs sur un circuit professionnel. Ils sont accompagnés d'un préparateur mental, un coach de swing, un préparateur physique, un kiné, un ostéo, un nutritionniste aussi. Donc, ils font ça pour pouvoir optimiser les quatre piliers de la performance que je vous ai indiqués. Sans parler du fitting aussi, ou là où il faut avoir les clubs optimisés. Mais ça, voilà, je ne me fais pas de soucis pour les joueurs pro à ce moment-là, parce qu'on sait que sur le circuit, ils ont accès instantanément à tout ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, j'essaie de répondre en même temps. Ouais, c'est ça. C'est Raphaël Marguerite qui est là, qui dit Albatros au 2. C'est ça. Je me souvenais plus si c'était deux Eagles ou un Albatros. Et il y a le fameux par 5 où il rentre un coup de bois magnifique avec le par 5 en descente où le trou est toujours dans une position compliquée. Et là, il rentre son deuxième coup et il fait effectivement Albatros. Donc, c'est juste, c'était un des plus beaux coups. Alors, Eagle. Bob Daly qui dit derrière la parole focus ou bien le point rouge, il y a un training minimum de 15 jours. Quand tu focus un point, tu dois oublier tout autour de toi. Je parle de focus sur le swing. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de jour déterminé. On peut pas dire, voilà, l'exercice, il va marcher dans 15 jours. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait que le mental, comme le swing, c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Et donc, il y a des joueurs qui peuvent avoir des clés qui peuvent, boum, qui peuvent fonctionner dans une semaine. Et puis il y a d'autres joueurs où ça prend un peu plus de temps. Donc ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut voir le mental de la même façon qu'on voit le swing, où c'est quelque chose qu'on doit travailler sous forme de répétition quotidienne, et surtout comprendre que le cerveau, ça fonctionne comme le swing. On peut lui donner des exercices, on peut lui donner des stratégies qui vont permettre d'optimiser notre jeu le jour J. Donc Pierre-Yves Burton qui dit que donc pour vous, il faut que tous les éléments soient réunis pour gagner une semaine qu'on appelle exceptionnelle où tout va. Et pour nous amateurs, est-ce pareil? Bah déjà, on parle pas du même niveau. La raison pour laquelle je parle pas du même niveau, c'est parce qu'un pro, déjà, sur un tournoi d'une semaine, il va jouer 4 tours de suite. D'accord? Donc il va jouer du jeudi au dimanche. Et pour gagner sur le circuit européen ou le PGA Tour, peu importe le circuit, Challenge Tour, Alps Tour, Pro Golf Tour, aujourd'hui, sur 4 tours, il faut performer. Alors, il y a toujours un tour qui ne sera pas comme un autre. Il y a toujours un tour où on joue un peu moins bien. Il y a des joueurs qui vont faire, en général, un ou deux très bons scores. Ensuite, un score qui vont vous considérer normal ou moyen. Et ensuite, un score qui va être à peu près dans la moyenne. Sur une semaine, il y a 4 jours de tournoi. Pour un amateur, en général, quand on va faire la compétition du week-end, c'est une journée de tournoi ou un Grand Prix national, ça va être 2 ou 3 jours. Donc du coup, on n'a pas la même laps de temps. Et c'est pour ça que sur une semaine sur le circuit européen, il faut vraiment que tous les éléments soient réunis pour permettre aux joueurs de finir sur le podium à la fin de la semaine. Mon point de vue, mais en ayant échangé avec beaucoup de joueurs du circuit européen ces dernières semaines durant le confinement et évidemment en dehors, parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont devenus des bons copains. Du coup, tu vois que sur une semaine où un joueur se sent bien et qu'il arrive à faire un top 3, top 5, top 10, tu vois qu'il y a vraiment une différence entre ce joueur-là et un autre joueur qui peut-être passe pas le cut. Il y a toujours un ou deux éléments qui sont pas à la hauteur, comme un autre joueur qui peut faire un podium. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager avec vous, des slides que j'ai créé spécifiquement pour ce Facebook Live pour vous présenter en fait les 6 zones sur lesquelles vous vous trouvez quand vous êtes sur un parcours de golf, entre les coups ou même quand vous êtes devant un coup ou même en dehors du parcours. Pour la majorité du temps, si vous réfléchissez actuellement et d'ailleurs c'est un exercice que je vous encourage à faire aujourd'hui, à réaliser en fait où se situe votre cerveau à tout moment dans une journée
Évidemment, dans le live d'aujourd'hui, on parle spécifiquement de golf. Donc, quand vous êtes sur un parcours de golf, de comprendre où se situe votre cerveau et de comprendre quelle zone vous sert et quelle zone vous dessert. Donc, concrètement, il y a 6 zones qui existent. Il y a le passé négatif. Donc, le passé négatif, c'est quand vous êtes sur un parcours de golf et vous vous souvenez d'un événement passé qui a eu un impact négatif sur vous. Donc, ça peut être, par exemple, le double bogey que vous venez de faire. Le trou d'avant, le putt d'un mètre cinquante que vous avez loupé pour le birdie, la balle que vous avez mis dans l'eau sur un par 3, enfin peu importe ce que c'est, il se peut, et ça arrive beaucoup de fois, que vous êtes entre deux coups et que votre cerveau est en train de penser à ce passé négatif. Le deuxième time zone dans le passé, c'est le passé positif, où là, peut-être que vous venez d'effectuer un birdie sur le trou d'avant, et là, vous êtes sur une spirale positive. Votre attention se porte sur les événements passés dont vous vous souvenez comme étant heureux, amusant et productif. Peut-être que vous venez de passer un trou, vous avez rigolé avec votre coéquipier, peut-être que vous avez effectué un très bon drive, peut-être que votre rythme, ça fait 2-3 trous que le tempo de votre swing est vraiment très très bon. Ça, c'est un passé positif, vous vous rappelez de ces moments-là. Mais souvent, quand on pense au passé, pour la majorité du temps sur le parcours de golf, qu'est-ce qui se passe quand on pense au passé? On pense souvent au passé négatif. C'est très très rare qu'on pense à un passé positif, d'accord ? Donc, de comprendre la différence entre les deux. Ensuite, il y a le présent absorbé et le présent détaché. Alors, je vais m'expliquer la différence entre les deux. Le présent absorbé, c'est quand vous êtes complètement et entièrement concentré sur le ici et le maintenant et vous prenez du plaisir. C'est d'être complètement présent à travers votre sens, où vous êtes conscient que vous êtes dans le moment présent. Vous êtes ici, vous êtes à la fois concentré mais relâché. Vous êtes en quelque sorte ce que beaucoup de joueurs peuvent appeler la zone. D'accord, la zone, c'est juste un mot qu'on peut mettre pour définir ce moment présent qui est un plaisir énorme. Et ensuite, vous avez le présent détaché. Alors le présent détaché, je peux l'expliquer comme, vous savez, vous prenez le volant et vous conduisez pendant une heure à une destination que vous connaissez déjà. Et c'est un peu comme si votre cerveau se met en mode, il est là, mais en fait, il est un peu là et pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement détaché et... Surtout, ce qui se passe, c'est que dans ce présent détaché, c'est en aucun cas utile pour la performance. Donc, vous pouvez être sur le parcours en train de marcher, et puis en même temps, vous réalisez que vous êtes en mode autopilote, vous marchez, vous marchez, vous marchez, mais vous n'êtes pas vraiment présent à travers vos sens. Votre cerveau peut naviguer un tout petit peu à droite, à gauche, sans forcément penser au passé, sans forcément penser au futur ou au passé. D'accord ? Ensuite, vous avez le futur négatif. Donc, le futur négatif, c'est... Je suis sous le par au trou numéro 16, quelque chose qui m'est arrivé au mois d'août. Et là, je commence à me dire, oh, faut pas que je fasse bogey au prochain trou, parce que le trou numéro 17, là, c'est un trou qui me plaît pas trop et il faut surtout pas que je fasse bogey au prochain trou. Ça peut être un futur négatif sur le parcours de golf. Okay. Ou sur le prochain trou, il y a de l'eau à gauche et je mets toujours une balle à gauche sur ce trou-là, il faut que je fasse attention, alors qu'on est toujours sur le trou d'avant. Ça peut être un futur négatif. Un passé positif, ça peut être il reste un par 5 au trou numéro 18 et je sais que sur ce trou-là, très souvent, je fais birdie ou par, donc c'est un trou que j'attends avec impatience. Donc ça peut être un futur positif. Futur positif, ça peut être aussi de vous focaliser sur le trophée que vous allez soulever quand vous allez gagner. C'est un futur positif, mais je n'ai pas dit que c'était un futur optimal, d'accord ? Ou un moment optimal, parce que quand vous êtes en train de réfléchir au futur, vous n'êtes pas où, vous n'êtes pas dans le moment présent. Mais c'est quand même un futur positif. Donc, à votre avis, quelles sont les 2 ou 3 choses sur les zones que je vous ai indiquées qui vous ne permettent pas de performer aujourd'hui? Quelles sont les 3 zones qui ne vous permettent pas de performer? Dites-moi-le dans la zone de commentaires, juste en dessous. Mettez-le en commentaire. Et surtout, mettez-le si vous les souhaitez partager avec le groupe. Mettez dans la zone de commentaires la zone... que vous utilisez le plus quand vous êtes sur un parcours de golf. Quelle est la zone où vous vous reconnaissez le plus sur un parcours de golf? Allez-y, je vous écoute. Et en même temps, je vais passer au slide suivant. Donc là, on va parler de renforcer un passé positif. Donc, ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est lorsqu'un joueur termine une partie, quels sont les éléments que je travaille avec les joueurs de mon académie pour leur permettre en fait d'avoir le meilleur feedback positif sur la partie qu'ils viennent d'effectuer? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on finit une partie et à chaque fois, on est tout le temps focalisé sur les problèmes, sur ce qui
c'est pas, sur ce qui n'est pas passé de bien durant la partie. Donc c'est très très important de comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser un feedback après une partie de golf pour vous permettre vraiment d'améliorer votre prochaine partie de golf et d'être dans la construction et dans l'amélioration au lieu d'être dans la destruction. Ok? Je lis les commentaires. Anne-Marie Nathan qui dit passé positif et futur négatif. Donc ça, c'est pour la slide d'avant. Ok, top. Passé négatif. Bruno Agbo, ouais. Moi, je suis souvent dans le passé négatif. Et oui, Jean-Christophe, je comprends. Alors, pour ceux qui sont connectés depuis le début et qui ont répondu à passé négatif, quel est un exercice que vous pouvez faire pour vous ramener dans le moment présent? Ceux qui sont connectés depuis le début, maintenant, vous avez la réponse. Quel est un exercice, marquez-le dans la zone de commentaires, quel est un exercice que vous pouvez utiliser pour vous ramener dans le moment présent, dans le moment maintenant et ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je l'ai indiqué au tout début. Je suis en train de lire vos commentaires en même temps. Donc, juste, je vais revenir sur le slide d'avant. Ok, top. Donc là, il y a Christian qui dit futur négatif. Il y a Jean-Christophe qui dit moi souvent dans le passé négatif. Anne-Marie qui dit passé positif et futur négatif. Passé et futur. Donc, vous voyez qu'il y a très très peu de personnes finalement qui ont répondu présent absorbé. Je crois qu'il y a une personne qui a répondu le présent absorbé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour revenir dans l'état, dans le meilleur état possible, qui est le présent absorbé? Ça, c'est l'état de performance pure entre les coups où nous sommes dans le présent absorbé. La respiration, que je vous ai indiqué. Donc, un exercice que je peux vous donner, c'est de compter le nombre de respirations que vous faites jusqu'à votre prochaine balle. D'accord? Ce qui va vous permettre de revenir dans le moment présent. Parce que rappelez-vous, pour les personnes qui viennent de se connecter, Frédéric Dechet qui dit se mettre une gifle. J'espère que tu fais pas ça avec tes joueurs élites, Fred. Mais ce qui se passe, pour revenir au tout début, pour faire un tout petit résumé pour les personnes qui viennent de se connecter par rapport à ce que j'ai indiqué de comment revenir dans le moment présent. Donc j'ai expliqué au tout début que le cerveau a beaucoup de facilité à aller dans un passé positif, futur négatif, passé négatif et passé positif. Et effectivement, je constate qu'il y a une faute sur passé positif, je voulais dire futur positif, et j'en suis désolé. Mais le cerveau a beaucoup de facilité à naviguer entre ces zones. C'est très très facile. Je donnais l'exemple au tout début de, rappelez-vous de ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin, passé, et qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Vous vous projetez tout de suite dans ce qui va se passer ce soir. Donc, votre cerveau va rapidement entre les deux zones. D'accord? Mais pour revenir dans le présent absorbé, une façon qui est la plus facile, la chose la plus facile que vous pouvez faire quand vous êtes sur un parcours de golf, c'est d'être présent à travers vos sens, d'être présent à travers l'aspect physiologique. Parce que le corps, contrairement au cerveau, le corps ne peut pas voyager entre le passé et le futur. Il est toujours dans le moment présent. Rappelez-vous de ce que je viens de dire, le corps est toujours présent dans le maintenant. Et donc c'est important de comprendre que le cerveau, lui, navigue rapidement entre les deux zones, mais que le corps reste dans le présent tout le temps. Donc, ce qu'on doit faire, c'est nous permettre de passer du présent, du passé et le futur au maintenant et ici à travers les sens dans le corps. Donc, respiration, comptez jusqu'à 50 respirations pour vous permettre de vous concentrer sur l'aspect physiologique. Et je vous promets qu'au bout d'un certain temps, vous allez redevenir présent à travers vos sens, à travers l'aspect physiologique et vous allez revenir dans le moment présent. Faites-le, entraînez-vous même aujourd'hui à le faire. Juste après ce live, mettez-vous sur le canapé, concentrez-vous sur la respiration en ayant les yeux ouverts, parce que souvent quand on a les yeux fermés, le cerveau commence à penser à mille choses. Concentrez-vous sur la respiration, ou encore mieux, faites-le pendant que vous êtes en train de marcher. Quand vous allez faire votre une heure de marche qui vous est accordée aujourd'hui, quand vous allez marcher dans votre jardin, sur votre terrasse, entraînez-vous à marcher et à compter votre respiration. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est compter le nombre de pas. Je vous ai indiqué au tout début de ce live, vous focalisez sur le nombre de pas que vous effectuez jusqu'à votre prochain coup. Donc la chose que vous pouvez faire pour vous entraîner aujourd'hui, quand vous êtes en train de marcher à l'extérieur, c'est prenez un point A au point B, vous dites ok, de là à là, je vais compter le nombre de pas que je suis en train d'effectuer, et focalisez-vous uniquement sur le rythme de votre pas, de vos pas, sur le tempo de la façon dont vous êtes en train de marcher, et le nombre de pas que vous effectuez pour arriver d'aller du point A au point B. Et je vous garantis que plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez avoir la facilité à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire physiquement. Si vous êtes en train de vous concentrer sur ce que vous faites physiquement, vous êtes dans le présent. Quand vous êtes concentré à travers vos sens, vous êtes dans le présent.
Okay? Donc, c'est simplement ça avec le présent, c'est d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, deux très bons exercices, respiration et de marcher. Alors, pour aller un petit peu maintenant sur l'aspect feedback, qu'est-ce que je fais avec mes élèves quand ils finissent leurs 18 trous? Alors, la première chose que je fais quand on est au téléphone ou si c'est un parcours accompagné qu'on vient de terminer, qu'on va boire un verre après au bar, c'est que je prends une feuille. Toujours important de prendre une feuille. Alors, si vous n'avez pas de feuille, vous le notez avec votre téléphone, mais c'est toujours mieux de marquer les choses à la main. La science a prouvé que les choses sont beaucoup plus concrètes d'une façon interne quand vous marquez les choses à la main que lorsque vous marquez les choses sur quelque chose de digital. Okay? Donc, très très important, quand vous finissez votre 18 trous, on va renforcer le passé positif. Et c'est là où ce que je demande à mes élèves, c'est de dire, voilà, quels sont les trois éléments aujourd'hui, quelles sont trois choses qui ont été vraiment positives durant les 18 trous que tu as effectués. Liste-moi trois choses qui ont vraiment été top du top. Donc, ça peut être un bon coup de golf, ça peut être le fait que tu t'es bien alimenté, bien hydraté, ça peut être le fait que tu as réussi à rester dans le moment présent dans un moment où il y avait beaucoup de pression dans la partie de golf, ou peut-être que voilà, sur un trou que tu considères en général compliqué, tu as réussi à bien gérer tes émotions en restant dans le moment présent, ça peut être quelque chose de positif. Donc, de lister vraiment les trois éléments dans ta journée qui ont été vraiment top du top. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de renforcer l'aspect positif, je suis en train de renforcer le cerveau, en train de lui bourrer le cerveau avec des belles expériences. Et je suis en train d'attacher de l'émotion aussi à ces expériences. Plus on attache de l'émotion à ces expériences, plus on s'en rappellera par la suite. D'accord? Donc, j'attache beaucoup d'émotions aux expériences positives. Ok? Alors, commentaire de la part de Fred, là, qui est un très très bon coach en Suisse, qui dit « La maîtrise du cerveau est un travail comme le travail technique et physique. On doit apprendre à le travailler comme les exercices que conseille Lewis. » Merci Fred, c'est exactement ce que j'indiquais au tout début de ce live. C'est que le mental, il faut le voir comme un swing, ça se travaille au quotidien. Et surtout, ce qu'il faut éviter de penser, c'est que à travers, parce que le mental, on a souvent tendance à penser qu'à travers une sorte de clé mentale, clé miracle, tout d'un coup, on va du jour au lendemain, on va devenir un joueur incroyable. Reprenez l'exemple de Louis Oosthuizen, où j'ai joué la vidéo de son coach mental qui parlait de la stratégie qu'il a utilisée avec le gant et le point rouge. C'est quelque chose qu'il a utilisé la semaine d'avant au Scottish Open où il loupe le cut, mais il indique à son coach mental, Karl Morris, il dit « Je me suis senti vraiment beaucoup mieux. Même si j'ai loupé le cut, le score, ça aussi c'est un autre élément important, le score n'est pas un reflet de comment je me suis senti aujourd'hui. Le score n'est pas un reflet de comment je me suis senti aujourd'hui. » Ça, c'est vraiment très important parce que souvent, nous... On a l'impression, quand on finit une partie, qu'on a un reflet, la façon dont on se sent, on a un reflet de notre score. Et c'est pas le cas. Des fois, on peut très bien scorer et pas très bien jouer sur le parcours. Et se dire, tu sais quoi, je me suis pas senti au top, mais j'ai quand même réussi à sortir un score. Et des fois, tu peux te sentir super bien et de pas sortir un score et tu te dis, je comprends, tu sais quoi, je me sentais vraiment bien, mais le score n'était pas, bon, le score n'était pas là aujourd'hui. Et il y a des jours comme ça. La différence, c'est qu'il faut comprendre comment tirer le meilleur de soi-même à la fin de chaque journée. Et donc, pour reprendre ce que dit Fred, le mental, ça se travaille. Et donc, la semaine d'avant au Scottish, quand Louis loupe le cut, la semaine d'après, il gagne le British. Tu préfères louper le cut au Scottish et gagner le British que passer le cut sur les deux tournois et de jouer moyen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mental, effectivement, ça se travaille au quotidien. Et donc, ça se travaille à travers les exercices que je suis en train de vous donner. Combien de personnes, et dites-le-moi et soyez sincères dans la zone de commentaires, mettez-moi oui ou non, tout simplement oui ou non, combien d'entre vous travaillent, déjà faites cet exercice à la fin de chaque tournoi ou chaque 18 trous que vous faites, même en amical? Combien d'entre vous faites cet exercice, le renforcer le passé positif? Dites-le-moi dans la zone de commentaires, oui je le fais ou non je le fais pas, d'accord? Donc voilà ce que je fais, la première chose que je fais c'est que j'utilise les trois éléments hyper positifs. Ensuite, ce que je fais, c'est que je dis, ok, qu'est-ce que ces événements prouvent à votre sujet? Lorsque vous avez réussi, qu'avez-vous fait pour réussir? Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je repense à je dis à mon élève, quel a été l'élément qui a été hyper positif aujourd'hui? Donc, par exemple, l'élève va me dire, bah, écoute, j'ai tapé un super coup au trou numéro 17, là, sur un par 3 en descente, où des fois, je tape pas forcément les meilleurs shots. Mais là, par contre, là, sur le trou numéro 17, j'ai effectué un super coup de golf où j'ai planté le mât. Et vraiment, c'était un coup magnifique et je m'en rappelle très bien. Et là, je dis, ok, top, super. Donc ça, c'était l'expérience positive. Maintenant, dis-moi comment t'as fait.
Donc, je prends l'expérience et je dis, OK, maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour connaître cette expérience-là? Donc, est-ce que, par exemple, juste avant le coup, est-ce que tu t'es hydraté? Donc, est-ce que tu as bu un coup d'eau qui t'a permis de te sentir un peu mieux? Est-ce que tu as fait un travail de respiration qu'on effectue ensemble? Est-ce que tu as respecté ta routine de A à Z? Comment tu t'es senti devant la balle? Donc là, on liste les actions qui ont permis aux joueurs de réaliser le coup en question. L'expérience positive. Pourquoi je fais ça? Bah, du coup, si on part du principe qu'on renforce le positif et qu'on comprend comment on a fait pour réaliser cette expérience positive, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de répéter en fait les actions qui nous ont permis de réaliser cette expérience positive. C'est tout ce qu'on a à faire, c'est des actions. C'est des actions qu'on répète au quotidien. Et les actions, c'est quoi? C'est des éléments qu'on peut maîtriser et contrôler. D'accord? Donc, c'est pour ça que je me focalise ensuite sur les actions. Ok? Donc, très important, noter le positif et ensuite essayer de noter comment vous avez réalisé cette expérience positive. Ok? Alors, si je parle, parce qu'après, des personnes vont dire, mais alors, Lewis, moi, j'ai marqué dans l'expérience positive, c'est que j'étais pas du tout fatigué pendant 18 trous, ce qui est très important, hein, attention, parce que beaucoup de joueurs se fatiguent sur les 6 derniers trous. Donc moi, j'ai listé comme élément positif que du coup, j'ai réussi à bien m'hydrater et à bien m'alimenter sur le parcours et donc du coup, j'étais pas fatigué. Donc, ok, super, tu t'es bien alimenté, tu t'es bien hydraté, ça c'était l'élément positif. Comment t'as fait? Ben, en fait, je me suis bien préparé avant que j'ai démarré mon parcours. Le soir d'avant, je me suis préparé quelques snacks que j'amenais avec moi sur le parcours, des fruits secs. J'ai préparé mes 2 bouteilles d'eau avec un peu de vitamine dedans. J'ai préparé ça le jour d'avant, comme ça le matin quand je me suis levé, tout était déjà prêt. Et puis boum, je l'ai embarqué sur le parcours. Ok, donc l'action par rapport à l'expérience positive, c'était la préparation. Ta préparation était juste top. Donc répète ça à chaque fois systématiquement, ta préparation. Ok. Frédéric qui dit parce qu'effectivement j'avais pas lu tous les noms qu'il y avait juste avant, mais il y a beaucoup de noms. Mais là vous commencez à comprendre. C'est marrant parce que on parle souvent de la technique au golf et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous effectuez un mauvais parcours de golf, vous êtes tout le temps focalisé sur l'aspect mécanique du swing, mécanique du golf. J'ai pas réalisé à bien jouer aujourd'hui parce que ma technique était moins bonne. Et c'est là où je vais venir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sauter directement à ce slide-là et puis je vais revenir en arrière. Mais très important de comprendre sur une partie de golf. Hein, et là, je vais juste rapetisser un peu ma tête pour que vous voyez l'élément, voilà, tous les éléments. Donc, sur un parcours de golf, quand vous effectuez un bon ou un mauvais coup, très souvent, vous êtes focalisé sur quoi? Donc, j'ai noté 4 choses. 1, 2, 3, 4. Quel est l'élément sur lequel vous êtes plus focalisé? Marquez juste le chiffre dans la zone de commentaires sur lequel vous êtes plus focalisé. Je sais que Fred va automatiquement s'orienter vers la chose que lui voit plus souvent aussi avec ses élèves amateurs. C'est quoi? Allez-y, j'attends qu'il y a quelques commentaires. Donc, l'élément sur lequel les joueurs amateurs se focalisent le plus après un mauvais coup de golf, c'est la technique. Alors, je vois qu'il y a Eric Sanguet qui dit numéro 3, mais la majorité du temps, les amateurs se focalisent sur un problème mécanique. Et soyez transparents, soyez honnêtes, hein, on n'est pas là pour essayer de juger ou critiquer ou quoi, on est là pour justement aller à la source du problème et de comprendre comment on peut s'améliorer sur un parcours de golf. On est là uniquement pour ça. Et moi, en tant que coach, je suis là pour vous donner tous les éléments qui vont influencer la performance et ne pas juste se focaliser sur une chose. Okay? Donc voilà, donc je vois qu'il y a pas mal de 4. Frédéric qui dit technique. Voilà, énormément de 4 qui apparaissent. Donc la majorité du temps, quand un joueur amateur effectue un coup de golf et que la balle ne va pas dans la direction où il veut, le joueur se focalise sur l'aspect numéro 4. Maintenant, laissez-moi vous poser une question pour toutes les personnes qui ont répondu 4. Est-ce que ça vous arrive sur un parcours de golf d'effectuer, et soyez honnête, d'effectuer uniquement des mauvais coups pendant 18 trous? Est-ce que sur un parcours de golf, vous effectuez uniquement des mauvais drives? Est-ce que vous effectuez uniquement des mauvaises attaques de green? Et la réponse est non. Vous effectuez des bons coups de golf et des coups qui ne sont pas à la hauteur de votre exigence parce qu'on a chacun notre définition d'un mauvais coup. Donc vous faites à la fois des bons coups de golf et des coups qui ne sont pas à la hauteur de votre exigence sur le parcours. Maintenant, croyez-moi quand je vous dis que lorsque je filme un élève sur un parcours de golf et que je lui montre le swing où il a effectué un bon coup de golf et le swing où il a effectué un coup qui n'a pas été à la hauteur de son exigence, donc on va partir sur 2 mises en jeu, et que là je lui montre les 2 swings côte à côte et je lui dis pas quelle est la bonne et quelle est le mauvais, et je lui dis juste, voilà, regarde les 2 swings, maintenant indique-moi
quel a été le bon coup de golf et quel a été le mauvais coup de golf. Dis-moi juste laquelle est laquelle. Et là, l'élève, en général, regarde les deux vidéos et ne sait pas me répondre. Il dit, j'en sais rien, je sais pas. Sur un parcours de golf, il faut comprendre que votre technique ne change pas d'un coup à l'autre. Ok? Contrairement à ce que vous pensez, votre swing est très régulier. Pourquoi est-ce qu'il est très régulier? Parce que vous l'avez répété à des milliers de reprises. D'accord? Si aujourd'hui vous avez effectué plus de 15 parcours de golf, vous avez effectué plus de 1000 coups sur un parcours de golf. Donc, vous avez un swing qui est déjà régulier. D'accord? Donc, le problème, c'est pas est-ce que je suis régulier ou pas. C'est de éliminer le plus souvent les mauvais coups et de renforcer ou de produire le plus de bons coups. Mais votre swing, mécaniquement et techniquement parlant, est le même d'un trou à l'autre. Et peut-être que la phase de club sur un trou est 1 ou 2 degrés fermé et ça va faire la différence entre une balle qui va toucher le green et une balle qui va finir à gauche dans le bunker. Vous savez, il suffit que la phase de club soit 1 degré ou 2 degrés ouvert ou fermé pour changer le résultat de la balle. D'accord? Et ça peut arriver très rapidement. Mais la mécanique de votre swing, elle, a beaucoup de mal à changer sur un parcours de golf. Donc, quels sont les éléments qui changent sur un parcours de golf? Quels sont les éléments qui vont varier sur un parcours de golf? L'aspect physique, donc l'aspect physiologique. Quand on démarre sur les 3-4 premiers trous et puis on a beaucoup d'énergie, on se sent bien et que on s'est mal alimenté, mal hydraté, donc du coup on arrive sur le retour et là on est complètement HS, on est fatigué. Est-ce que vous pensez que si vous étiez complètement rincé physiquement, est-ce que vous pensez que ça peut influencer votre technique? Oui, d'accord? Si vous êtes physiquement pas à la hauteur de votre forme, ça va influencer votre technique. Stratégie de jeu. Est-ce que votre stratégie de jeu va changer d'un coup à l'autre? Est-ce que votre stratégie de jeu, est-ce que si vous, la prochaine fois que vous allez sur un parcours de golf, si vous pouvez vous donner une note de 1 à 10 sur votre stratégie de jeu, donc sur votre QI golfique, imaginez si vous pouvez donner une note, au lieu de mettre un score sur votre carte de score de j'ai fait le par ou birdie ou bogey, imaginez si vous pouvez noter votre score, mais juste en dessous, si vous donnez une note de 1 à 10 sur votre capacité à avoir une bonne stratégie de jeu sur le trou que vous venez d'effectuer. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir 10 sur une note de 1 à 10, 10 étant la meilleure, est-ce que vous pensez que vous allez avoir 10 sur 10 sur chaque trou? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la stratégie de jeu influence vos scores. D'accord? Peut-être que techniquement, vous avez réalisé un bon coup de golf, mais que vous avez fini 10 mètres trop court parce que vous avez choisi le mauvais club. C'est un exemple banal et simple, je sais, mais ça peut faire partie de la stratégie de jeu. Souvent, on fait des erreurs de club, on le sait. L'aspect mental, je l'ai marqué en troisième partie. J'ai pas fait ça par hasard. Hein. Quand je suis sur un parcours de golf, et ça, c'est juste ma vision personnelle de voir les choses, c'est pas une vérité universelle, mais ma vision personnelle de voir les choses, c'est quand je suis sur un parcours de golf et quand j'ai un joueur devant moi, je passe toujours par cette chronologie. Est-ce que physiquement, il était bien? Est-ce qu'il a employé la bonne stratégie par rapport au coup qu'il vient d'effectuer? Est-ce que mentalement, est-ce que le mental était optimal par rapport au coup qu'on était en train d'effectuer? Donc, est-ce qu'il a respecté sa routine? Est-ce qu'il était présent à travers l'aspect physiologique? Et la toute dernière partie, ça va être, et comment était la technique? Donc, avant d'arriver à la technique, je dois répondre 10 sur 10 sur physique, stratégie et mental. Vous imaginez? Donc, quand vous effectuez un coup qui n'est pas à la hauteur de vos exigences, je vous garantis que sur l'aspect physique, stratégique et mental, vous n'êtes pas à 100%. Vous n'êtes pas à 10 sur 10, c'est sûr et certain. Et donc, ces dernières semaines, encore une fois, je le rappelle, j'ai eu l'occasion de discuter avec plus d'une dizaine de joueurs du circuit européen. Et je peux vous dire que lorsqu'ils sont sur le parcours, la technique est la chose qu'ils regardent en dernier. Quand ils ont effectué un coup qui n'est pas allé exactement où ils sont allés. D'accord? Physique, stratégie de jeu, mental, technique. Faites-le dans cet ordre-là. La prochaine fois que vous allez sur un parcours de golf, entraînez-vous, prenez une photo de ce screenshot-là, prenez un screenshot, prenez une photo, peu importe, mais entraînez-vous à faire cet ordre chronologique à la fin d'une partie de golf. Okay? Alors, je vais revenir maintenant sur renforcer le passé positif, qu'est-ce que c'est, ok, ça on en a parlé, reconstruire un passé négatif. Donc là, on est à la fin de la partie de golf, on est autour d'une table, je suis avec mon joueur, qu'est-ce que je fais? On a renforcé le positif, on a parlé des 3 expériences hyper positives. Ensuite, on renforce ces expériences positives à travers le plan d'action. Quelles sont les actions que tu as mis en place pour réaliser cette expérience positive? Et après, on essaie de reproduire au maximum ce plan d'action parce qu'on sait que ça marche. Et ensuite, je passe sur ce que vous appelez
le passé négatif. Alors, je dis vous parce que vous voyez un mauvais coup de golf comme un passé négatif. Moi, je vois ça comme quelque chose à améliorer. Donc, à la fin du parti, c'est liste-moi les éléments positifs et on va lister maintenant les choses qu'on doit améliorer. Okay, donc là, maintenant, on retourne dans le passé qu'on peut considérer négatif, chose à améliorer. Et là, donc, du coup, je veux dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments négatifs? Donc là, ça peut être, par exemple, ben voilà, Lewis, j'étais sous pression au trou numéro 16 et j'ai une tendance à mettre des balles à gauche quand je suis sous pression. Comprendre la différence déjà entre votre coup quand vous êtes en bonne condition et votre coup quand vous êtes sous pression. Hein, il y a un petit écart entre les deux. Et donc, du coup, quand je suis sous pression, j'ai tendance à mettre des balles avec beaucoup plus de dispersion vers la gauche, avec des trajectoires beaucoup trop prononcées. Tu vois, là, sur le trou numéro 16, du coup, j'avais un par 4, j'ai sorti le driver alors que je savais que j'aurais dû sortir le fer. Mais j'ai quand même sorti le driver parce que je voulais attaquer et ma balle est partie hors limite à gauche. Ça, c'était vraiment ça, ça m'a coûté cher parce que du coup, j'ai fait triple bogey sur ce trou-là alors que j'étais en bonne position, le score était bon et là, je fais triple bogey parce que je mets ma balle à gauche. Donc ça, c'est un élément qu'on va considérer dans le passé négatif. Il y a le triple bogey. Le triple bogey, il est venu d'où? Il est venu de la mise en jeu. Ok, super. Maintenant, la mise en jeu, c'est là où je vais aller dans la construction. Ok? Et donc, je vais dire, on va comprendre le pourquoi. Donc, tu es sur ta mise en jeu, tu as effectué un coup à gauche. Parlons un petit peu du coup en lui-même, la mise en jeu du trou numéro 16. Déjà, stratégie de jeu ou l'aspect physique. Est-ce que physiquement, tu t'es senti bien? Ouais, je me suis senti bien, je me suis bien alimenté, je me suis bien hydraté, c'était top. Ok, parlons de la stratégie de jeu. Tu sais que quand tu es sous pression, tu mets des balles un peu trop à gauche. D'ailleurs, est-ce que tu l'as déjà fait dans la journée? Bah ouais, il y a 2-3 trous où j'ai mis ma balle à gauche, mais il n'y avait pas dans les mises à gauche, donc du coup, j'ai réussi à m'en sortir. Ok, top. Donc, dans la journée, tu as produit des mises en jeu qui sont allées vers la gauche du trou et qui se sont retrouvées avec une dispersion de 10 à 20 mètres. On est ok? Ouais, on est ok. Ok, super. Donc, sur le trou numéro 16, au niveau de la stratégie de jeu, est-ce que tu aurais pu choisir un club différent pour te permettre d'aller chercher le milieu du fairway en sachant qu'il y avait un hors limite à gauche avec le driver, en sachant que quand tu as un driver en main, tu mets beaucoup plus de vitesse de club. Quand tu mets beaucoup plus de vitesse de club, la trajectoire sera plus prononcée. Donc, est-ce qu'on aurait pu choisir un autre club? Bah ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. En fait, je me suis dit qu'il fallait attaquer parce que voilà, je voulais attaquer le trou. Donc, du coup, j'ai sorti le driver. Je n'ai pas vraiment pensé à hors limite à gauche. D'ailleurs, j'ai essayé plutôt de le bloquer. Ah, mental, on en parlera juste après. Revenons à la stratégie de jeu. Donc, dans la stratégie de jeu, on aurait pu sortir le fer parce qu'avec le fer, c'est quoi le fer où tu te sens à l'aise, où tu as le moins de dispersion? Bah, écoute, mon fer 5, je le sens assez bien. Donc, ok, parfait. Fer 5, tu le tapes à combien? 180 mètres. Parfait, le trou, il fait combien? 300 mètres. Donc, si tu tapes ton fer 5 à 180 mètres, il te reste 120 mètres derrière pour aller chercher le green. Ouais. Ok, donc, il te faut quoi comme club derrière? Pitching wedge. Donc, le pitch, tu es assez précis ou pas? Très précis. Ok, parfait. Est-ce que tu peux faire le birdie avec ton pitching wedge? Bah ouais, parce que je sais que je suis assez précis avec mon pitching wedge. Donc, derrière, tu te mets sur le green, position de birdie. Ouais. Donc, tu as voulu attaquer avec ton driver pour essayer de chercher le birdie, mais tu comprends qu'en ayant une stratégie de jeu, une meilleure stratégie de jeu, en comprenant ton système quand tu es sous pression, quand tu mets une balle à gauche, tu mets une balle au milieu du fairway avec ton fer 5, il te reste pitch derrière, tu peux toujours aller chercher le birdie avec une stratégie de jeu qu'on peut considérer safe. Il me dit, ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça. Ok, donc ta stratégie de jeu n'était pas 10 sur 10. Donc, ça ne sert à rien de parler de la technique. Retourner au practice pour aller travailler le drive du 16 alors que ce n'était pas la bonne stratégie de jeu, ça ne sert à rien. On travaille la stratégie de jeu. Donc, on améliore le QI golfique du joueur. Parfait. Ok, donc maintenant, parlons du mental. Comment tu t'es senti devant la balle? Bah, écoute, plutôt pas mal, mais du coup, puisque j'avais un peu de pression, je me suis dit que sous pression, j'aime bien attaquer. Donc, du coup, j'ai décidé d'attaquer avec le driver. Ah, ok, donc quand tu as un peu de pression, tu décides d'attaquer. Pas une mauvaise stratégie, des fois, c'est bien d'attaquer quand on a la pression. Mais si tu as leur limite, tu as compris que par rapport à la stratégie de jeu, sur ce trou-là, c'était pas la bonne chose à faire. Ok. Ok, donc techniquement, maintenant, parlons de la technique. Qu'est-ce qui fait que tu mets des balles à gauche sous pression? Ben, on sait que quand on regarde Trackman et la vidéo, et c'est là où j'interviens en tant que coach sur le practice, quand on regarde Trackman et les chiffres et la vidéo, on sait qu'à l'impact, ta phase de club a tendance à être 2 degrés fermé quand tu swings un peu plus vite que d'habitude. Et tu swings un peu plus vite que d'habitude quand tu es sous pression. Tu contrôles un peu moins ton tempo. Donc du coup, ta phase de club, boum, tu mets un petit coup de poignet à l'impact. La phase de club se referme. D'accord? Et là, la balle va un peu plus à gauche parce qu'il y a 2 degrés de différence. Allez, allons bosser ça maintenant en practice. Donc, voilà comment je m'oriente sur les choses à améliorer. Je pars d'une chose
J'ai une conversation avec le joueur qui peut durer le temps que ça dure. Et on détermine ensemble qu'est-ce qui a créé cette expérience négative, qu'est-ce qui a créé cette expérience négative et quelles sont les choses qu'on doit améliorer pour ne plus connaître cette même expérience la prochaine fois, ou en tout cas pour la connaître, pour mieux la gérer la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, donc, ça c'est, on va dire, un joueur professionnel. Il connaît cette expérience lors du jeudi. Et là, le jeudi soir, on a cette conversation ensemble. Je ne vais pas changer la technique du joueur le jeudi soir en sachant qu'il est encore le vendredi, samedi, dimanche sur le circuit. Je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire le jeudi, c'est que je vais avoir une conversation et je vais dire, ok, voilà comment demain on peut mieux gérer ça. Après, on va peut-être aller au practice pour travailler ou aller dans une situation de jeu similaire. On va travailler un tout petit peu, peut-être une clé qu'on va rechercher au practice. Mais en tout cas, on va avoir cette conversation bien avant. Et comme ça, le vendredi, quand il va être dans une situation similaire, ce qui va se passer quand il va se retrouver dans cette situation-là, il va penser différemment. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que souvent, je vous ai dit tout à l'heure que plus vous attachez de l'émotion à une expérience, plus vous vous rappelez de cette expérience-là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette expérience négative du trou numéro 16 avec la mise en jeu qui est sortie en limite? Qu'est-ce que je fais après, dans le débrief? Je suis très objectif. D'accord? Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dématrier... je suis en train de chercher le mot en français. C'est pas grave. je suis en train de... Non. J'ai ma femme à côté qui essaie de chercher le mot pour moi, c'est pas grave. Dédramatiser. Je suis en train de dédramatiser la situation. D'accord? Je suis en train de rester très objectif. Et je suis pas en train de le dire, putain, demain, t'inquiète pas, demain, quand t'es sur le même trou, t'as juste à penser positif. T'inquiète pas, ça va aller. Demain, tu te mets sur le même trou numéro 16, t'oublies complètement ce qui s'est passé le trou d'avant. Et là, demain, tu vas penser positif à 100%, ça va aller. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ça, c'est l'erreur qu'il faut absolument pas commettre. Donc, le soir d'avant, il y a un bon débrief, il y a une bonne analyse. Et le lendemain, quand on est dans la situation similaire, cette fois-ci, on sait mieux la gérer parce qu'on l'a mieux anticipé, parce qu'on l'a bien préparé. Préparation, anticipation, réalisation. D'accord? Donc, je suis sur le départ. Et là, maintenant, je suis dans la même situation. Je ressens la même pression. Je peux penser à ce qui s'est passé le jour d'avant, ce qui est complètement normal. C'est complètement humain de repenser à cette expérience qui nous a blessé le jour d'avant. C'est humain. Mais j'y pense différemment. Parce que maintenant, quand j'y pense, je me dis, ouais, mais je sais pourquoi j'ai fait ça. Donc maintenant, je vais faire ça. Et là, je vais sortir mon fer 5, je la mets à 180 mètres, je sens mon pitch derrière, je me mets en deux sur le green. Au mieux, je fais birdie, au pire, je fais par. Merci, on vient de gagner trois coups sur un coup de golf, sur un trou de golf. Et là, le soir même, on va débriefer. Et là, maintenant, sur le débrief, on va penser à l'expérience positive. Et là, maintenant, bah, Lewis, par rapport à hier, j'ai beaucoup mieux géré le trou numéro 16. Je l'ai beaucoup mieux géré, c'était top. Ok, comment t'as fait? Ah ben, j'ai sorti mon fer au lieu de sortir le driver. Sous pression, j'ai réussi à mieux contrôler à travers le travail de respiration qu'on a fait hier, à travers le travail de visualisation, tout ça. C'était beaucoup mieux. Ok, top, top. Donc, vous voyez comment, en fait, je suis désolé, ça fait 1h10 que je suis en live et on va s'arrêter là. Mais je voulais vous partager avec vous le process de mon coaching. Le process que j'utilise avec mes élèves pour que vous compreniez comment vous pouvez le faire. Si vous faites pas ça aujourd'hui avec votre coach, vous pouvez le faire d'une façon autonome. Il faut juste de l'éducation et de l'expérience. Quand j'ai dit l'éducation golfique, vous m'avez compris. C'est que souvent, le golfeur est mal éduqué pour performer. Le golfeur est éduqué d'une façon à penser que la technique est la chose qui va lui permettre de jouer son meilleur golf. Et c'est pas forcément le cas. La technique, c'est important, c'est clair et net, c'est indispensable. Mais quand vous êtes sur le parcours, c'est très difficile de performer à votre plus haut niveau. Bébé, tu peux me passer mon chargeur? Merci beaucoup. Ah, j'avais pas anticipé que j'allais faire une heure. Bah, magnifique, voilà. Donc, j'étais à 2% de batterie, je m'en excuse. Donc, très important de comprendre les quatre éléments de la performance et comment surtout vous pouvez les travailler pour vous permettre de jouer votre meilleur golf. Le mental, comme je l'ai dit au tout début du live, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui peut paraître très flou, quelque chose sur lequel on ne peut pas travailler. Et là, à travers ce live, j'espère que vous avez compris, je vous ai donné 3 à 5 tuyaux différents sur comment vous pouvez travailler votre mental et comment surtout vous pouvez bien analyser votre partie de golf, votre mauvais coup de golf. Est-ce que ça va vous demander un peu de travail supplémentaire? Oui. Mais est-ce que c'est du travail qui va vraiment, vraiment vous aider à jouer votre meilleur golf? Oui. D'accord? Vous investissez beaucoup d'argent dans les cours de golf, vous investissez beaucoup d'argent dans les clubs de golf. Pourquoi pas investir juste du temps
sur les éléments que j'ai partagés avec vous qui vont me permettre de gagner un maximum de coups. Je vous promets que ça va vous aider. Allez, je vais prendre quelques questions juste avant de finir. Merci, Martha qui dit merci beaucoup, Lewis. Alors, je vais... Fred qui dit, comme tous les acteurs, il faut de l'entraînement pour que ça devienne plus facile à faire. Mais oui, les débuts, on a l'impression que c'est compliqué et long. Alors, ces deux mots-là, déjà, il faut essayer de les enlever du vocabulaire. Compliqué et long. Pourquoi? Parce que quand si je vous dis aujourd'hui, écoutez, les choses que vous allez travailler, c'est compliqué et c'est long. Mais faites-le, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce qu'on vient d'attacher deux mots qui font quoi? Qui mettent beaucoup d'émotions à l'aspect négatif. Compliqué et long. Dites-moi, qui a envie de faire des trucs qui sont compliqués et longs? Pas moi. Alors, est-ce que c'est pas réaliste de dire que du coup, ça va être court et facile? Non plus. Mais ce que je peux vous dire, est-ce qu'on peut voir du progrès dès la première semaine quand vous travaillez ça? Oui. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer, sur les progrès. C'est ça qui est vraiment hyper important, c'est de se focaliser sur les petites victoires que vous avez quotidiennement. C'est un travail sur le long terme, oui. Mais vous pouvez tout à fait trouver des petites victoires quotidiennement qui vont vous encourager à encore plus le faire. Vous savez, c'est comme le sport. Quand une personne veut perdre 10 kilos, si la personne pense à perdre 10 kilos, on se dit, wow, ça va être long, il va me falloir 3 mois de travail, c'est long, c'est compliqué, il va falloir que j'investisse tant d'heures. Boum, je suis en train d'attacher beaucoup de raisons pour lesquelles je ne vais pas commencer. Pas commencer, mot-clé, pas commencer. Donc du coup, ce qu'on doit faire, c'est de dire, tu sais quoi? Ok, j'ai 10 kilos à perdre. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine? Cette semaine, j'ai besoin de perdre 1 kilo. Qu'est-ce que je dois faire pour perdre 1 kilo? Eh bien, aujourd'hui, je dois me faire 3 bons plats à manger. Aujourd'hui, je dois aller courir une demi-heure ou faire une séance de 45 minutes de sport, peu importe ce que c'est. Aujourd'hui, une fois que vous avez fini votre journée, donnez-vous une petite récompense en mettant une note sur votre journée. Ok. Comment ça s'est passé aujourd'hui? 10 sur 10, 8 sur 10, ah, j'aurais peut-être pu mieux manger sur ce plat-là, j'aurais pu faire 5 minutes de plus de sport, j'ai abandonné à 3 quarts, j'aurais pu tenir un peu plus longtemps. Ok, bon, comment on améliore ça pour demain? Et on se concentre maintenant sur les actions quotidiennes qui vont nous permettre de perdre 1 kilo. 1 kilo sur 10 semaines, ça fait 10. Donc, ne pas penser au sommet de la montagne, pensez aux premières étapes qui vont vous permettre de commencer. Et quand vous allez commencer, la motivation va venir de plus en plus et vous allez vouloir grimper de plus en plus et arriver. Et quand vous allez voir le sommet, du coup, vous allez sprinter vers le sommet. Alors que si d'en bas, si vous êtes arrivé à la première étape et que là, vous regardez le top et je vous dis sprint jusqu'au sommet, et là, tu vas faire, non, je peux pas, c'est pas possible. Ok? Yann Barré qui dit merci pour tout, c'était top. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Remarquable à mettre en œuvre, je vais être bon après le confinement en septembre. Déconfinement en septembre. Merci Lewis. Question qui dit merci Lewis, très intéressant comme sujet. Je ne pensais pas rester tout le live avec ce sujet-là. Christian, je te félicite parce qu'on se connaît personnellement. Je t'ai coaché à plusieurs reprises et c'est vrai ce que tu dis. Enfin, tu vois, on en a parlé à plusieurs reprises et je sais que c'est un élément chez toi qui est le mental que tu n'avais pas encore optimisé. Et là, pour le coup, ben, je suis vraiment fier de toi d'être resté jusqu'au bout. Et j'espère que tu vas mettre en pratique les exercices. Et on n'a pas besoin d'attendre le déconfinement le 11 mai, les gars. Vous pouvez tout à fait commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, quand vous allez marcher 100 mètres ou une demi-heure. Concentrez-vous sur les exercices de respiration, de marcher, de vous focaliser sur vos pas. Faites-le déjà pour vous entraîner à rester dans le moment présent. Ça va vraiment marcher. Marion qui dit c'était super. Merci, Lewis. Jérôme qui dit merci beaucoup Lewis, Eric Fab qui dit mais le clin d'œil, Jean-Claude Olivier qui dit où est ton prochain stage? Je sais pas encore Olivier, en fait il faut que je réfléchisse à tout ça, il faut que je réfléchisse à tout ça avec les règles que nous impose le gouvernement à la sortie, les stages de deux personnes, je sais pas, mais j'espère au mois de juin, je vais effectuer des stages d'une journée. Au golf du PGA France, parce qu'on me pose où ça, golf PGA France du Vaudreuil, c'est à peu près à 1 heure de Paris. C'est là où j'effectue des stages d'une journée quand je suis pas à Longchamp. Je fais des stages d'une journée pour en général 4 à 6 personnes. Donc là, on verra au mois de juin comment évolue la situation. Mais ces stages d'une journée sont top parce que du coup, on a l'occasion de faire de l'entraînement le matin et parcours l'après-midi. D'ailleurs, Christian, que vous avez eu passer tout à l'heure, a participé au stage à plusieurs reprises.
Alors Josie Gauthier qui dit merci Louis pour cette leçon de PNL pour le mental. Alors je savais pas que c'était du PNL, mais merci, merci Josie. Greg qui dit hello cher Louis, complètement d'accord avec toi sur l'éducation limitante. Ouais, donc là on parlait de tout simplement, voilà, il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas votre faute. D'accord? L'éducation du golfeur, ce n'est pas votre faute. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, concrètement, et je vais finir là-dessus, concrètement, quand vous regardez le golf à la télé, et je suis pas en train de dire que c'est la faute des intervenants non plus sur la télé, mais quand vous regardez la télé, que ce soit américaine, anglaise ou française, peu importe le golf que vous regardez à la télé, qu'est-ce qui se passe quand un joueur effectue un mauvais coup? Qu'est-ce qui se passe à la télé? Il y a une analyse de swing. Il y a une analyse de swing où là, le consultant tout d'un coup va faire une description une mécanique du swing, où là, on voit le swing au ralenti, et puis le consultant va dire, ah ouais, mais là, en fait, il l'a mis à gauche parce qu'il est resté trop coincé à l'intérieur, et ensuite, il a retourné la face de club à l'impact, et la balle, la face de club était du coup fermée, il l'a envoyé à gauche. Non, le swing n'a pas changé d'un coup à l'autre, et surtout pas quand on parle du très haut niveau. Quand un joueur a effectué 9 bonnes mises en jeu, et qu'il arrive sur le retour, et il reste 5 trous à jouer, et qu'il est un peu sous pression, et qu'il met sa balle à gauche, et qu'il y a une analyse technique du swing qui est faite par un consultant à la télé, non, non. Alors, le consultant fait ça parce que malheureusement, il n'a pas d'autre option. Il a juste une vidéo du swing, et donc il est obligé de faire une analyse technique du swing. Mais honnêtement, le consultant ne sait pas du tout ce qui s'est passé à ce moment-là chez le joueur. Il ne sait pas du tout comment le joueur s'est senti physiquement, il ne sait pas à quoi le joueur pensait. Il ne sait pas si le joueur a réussi à respecter sa routine. Il ne sait pas comment le joueur se sentait physiologiquement, d'accord? S'il était présent à travers ses sens. Il ne sait pas s'il respirait bien. Il ne sait pas s'il s'est bien hydraté ou alimenté. Il ne connaît pas tous les éléments qui sont liés à la performance. Donc, de simplement faire une analyse technique du swing sur ce coup-là et dire la balle est partie à gauche parce que techniquement il a fait ça, c'est faux. C'est complètement faux. Okay? Et ce n'est pas pour être critique, c'est juste la réalité de la chose. Et tout coach de performance qui dira le contraire ment. Donc, je suis désolé, des fois je suis un peu fort sur mes propos, mais c'est simplement la réalité de la chose. Okay? Donc, très important. Et donc, du coup, vous, les golfeurs qui regardez le golf à la télé, vous voyez ça et vous dites, ah ouais, c'était une erreur technique. Et donc, du coup, vous êtes éduqué dans ce système de dire que le golf, pour être performant, ça se passe dans la technique. Or, il y a plein de choses qui englobent la performance et vous pouvez faire des exercices aussi simples que celles que je vous ai données aujourd'hui à travers ce live sur le mental pour vous aider à améliorer tous les aspects de la performance. En plus de la technique. Parce que la technique, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'oublier ou la mettre de côté. Je suis loin, loin de là en train de dire ça. Je suis en train de dire que la technique, ce n'est pas la vérité universelle pour la performance sur le parcours. Okay? Sabine qui dit ça, c'est très intéressant. Et Jérôme qui dit exact. Le mental, c'est plus simple que. Simone qui dit tu devrais commenter les tournois. Patrick qui dit très juste. Le mental, c'est plus simple que ça qu'on peut imaginer. C'est juste des bonnes habitudes à mettre en place dans sa routine. J'adore le mot habitude. On en parlera dans un prochain live. En fait, le mercredi, j'aime bien le mercredi 11h pour faire un live sur le mental. Je trouve que c'est un peu devenu mon créneau mental dans la semaine que j'adore. J'adore effectuer en plus parce que c'est vraiment l'élément qui me passionne le plus. Donc, si vous souhaitez que je produise un live la semaine prochaine, mercredi, sur le mental, je pourrais choisir un autre thème qui est relié au mental. Dites-le-moi dans la zone de commentaires si ça vous intéresse et je le referai mercredi prochain. À 11h, je referai un live sur le mental. Dites-moi si ça vous, si ça vous, si ça vous, si ça vous intéresse. Dites-le-moi dans la zone de commentaires. Jules qui dit excellente remarque. Manuel qui met les boum avec les smileys. Simon qui dit je pensais pas rester si longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'hab, c'était génial. José qui dit merci. Superbe ce live. Merci Wallace. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, juste au cas où, mon prénom c'est Lewis, mais peu importe, vous pouvez m'appeler Wallace si vous voulez, mais juste au cas où. Sam qui dit on peut commencer tout cela à 10 ans. Frédéric qui dit bravo Lewis, super important. Saï qui dit on peut commencer tout cela à 10 ans. Oui, absolument. J'ai écouté une interview récemment de Mike Lorenzo Vera qui dit son seul regret c'est de ne pas avoir commencé son travail avec sa préparateur mentale plus tôt. Donc oui, on peut travailler ça. Et ce qui est important, c'est de travailler ça d'une façon avec les juniors. Donc j'en parle parce que je sais que Fred est là et il fait beaucoup de travail avec les juniors en Suisse hein, qui ont des très très bons résultats. En fait, il faut le travailler de façon subtile. Il faut le travailler avec les juniors sans qu'ils sachent qu'on est en train de travailler le mental. C'est ça la clé. C'est que les juniors, il faut pas qu'ils aient l'impression de travailler le mental. Donc c'est des choses subtiles qu'on glisse. C'est presque des choses dans l'inconscient qu'on est en train de glisser, des clés. Sans que le joueur le sache, mais qui va lui permettre de déterminer le succès qu'il va avoir à l'avenir. Les joueurs comme Rory,
comme Jordan Spieth, comme Justin Thomas, ont tous été des joueurs qui, Tiger Woods, qui aujourd'hui, que je considère des joueurs qui sont très très bons dans l'aspect mental performance, et qui ont été éduqués d'une certaine façon, et qui ont eu des coachs qui les ont coachés d'une certaine façon. Donc très très important de comprendre le travail qu'on doit effectuer avec un junior qui n'est pas tout à fait le même qu'avec un adulte, même s'il y a des points en commun, on ne va pas les aborder de la même façon. Donc par rapport à la semaine prochaine, Yann qui dit oui, c'est une super idée, donc pour mercredi prochain 11h, live sur le mental. Simon qui dit rendez-vous pris, excellente idée. Sèvres qui dit yes. Christian qui dit yes. Josie qui dit oui, comme tu le dis Lewis, il faut le travailler comme un swing. Fred qui dit oui Lewis, avec le petit smile qui est la langue. Régis qui dit le mental du trou numéro 1. Ok, on parlera du mental du trou numéro 1 ou comment aborder le trou numéro 1 de la meilleure façon. Tout à l'heure, j'ai entendu Fred parler. Il a posé la question sur la routine de A à Z ou la routine juste avant d'entamer le coup. On parlera de la routine si vous le souhaitez mercredi prochain. On le fera avec grand, grand plaisir. Greg, merci, cher collègue. Régis, merci. Pour moi, c'est. Il faut s'entraîner le cerveau parfaitement bien, merci. Un très grand merci. Ça, c'est... Okay. Josie qui dit tombé par hasard sur ton live et ravi, merci beaucoup. Donc, si t'es tombé par hasard, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 11h. Eric qui dit je promets, je ne me tromperai pas plus, Louis. T'inquiète pas, c'est pas grave, on m'appelle. Je dis ça parce qu'on m'appelle souvent, Wallace, donc il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. C'est même des joueurs professionnels que j'aide m'appellent Wallace, donc tu sais, c'est pas un problème. Pascal Damberger, merci, vous m'avez ouvert les yeux sur l'importance de la chose. Écoutez les gars, et mesdames, messieurs, mesdames, c'est mon plus long live du confinement, 1h25, donc vous voyez que c'est un sujet qui me passionne énormément, et je vois que c'est un sujet qui vous passionne aussi, parce que vous êtes pas mal de personnes connectées, et surtout beaucoup de questions. Frédéric il dit très bon ce sujet sur cette routine, donc effectivement Fred, rendez-vous semaine prochaine à 11h mercredi, on parlera de la routine, on parlera de la stratégie mentale, du trou numéro 1, comment l'aborder pour mieux performer. Rendez-vous mercredi prochain, c'était un énorme plaisir d'être avec vous. Tout à l'heure, il faut que je me repose un peu parce qu'à 16h30 j'ai un live avec Alexander Lévy sur Instagram, Journal du Golf Instagram avec Alex Lévy. On parlera peut-être un petit peu de la routine, on parlera de comment il s'organise à l'entraînement, il y avait pas mal de questions sur la page du Journal du Golf que je vais poser à Alex. Donc, on parlera de tout ça avec un joueur qui a gagné à 5 reprises sur le Tour européen. Donc, toujours bien d'échanger avec ces joueurs-là. Et sinon, rendez-vous à 14h avec Guillaume Biogeau et 17h avec Rémi Bédu sur Facebook. Merci à tous et à très bientôt. On se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.